Oh, j'ai pas mon téléphone avec moi. Il était plus tard que 8 heures. Il est pas 9 heures, je crois. On est quoi, le 9 juin, le 10 juin? J'ai mon bujo avec moi. Le 10, parce que j'ai déjà écrit certains exercices. J'ai commencé à planifier hier soir. Hier soir. Un matin. Oh. Puis, oh, c'est ça. J'ai une autre vidéo que je veux travailler là-dessus. On dirait que c'est devenu comme temps plein. Temps plein avec le montage. C'est ça qui est plus difficile. Ce qui est difficile en faisant des vidéos, c'est... premièrement, le téléchargement des vidéos, parce que je suis toujours en train de télécharger des vidéos en français. L'internet est lent un matin. Quand je fais un gros batch sur la caméra, c'est le transfert qui est long. Si je fais pas des transferts, si je fais une à la f... si je télécharge une fois lorsque je l'ai enregistré, c'est lent aussi, c'est beaucoup des étapes, c'est tout ça qui est long. Mais pour une vidéo que je fais du montage, c'est la recherche, c'est l'enregistrement des autres clips pour mettre dans la vidéo, faire le montage de ces clips-là séparément. Il faut pas que ça soit trop long parce que ça va geler mon système, le logiciel. De m'enregistrer mes paroles entre les clips, de faire le thumbnail, tu sais, la petite photo que vous cliquez dessus. Quand je prends le beat, une vidéo, ça prend à peu près, je sais pas, 6 heures, 7 heures. Puis j'ai d'autres choses à faire, tu sais, la question, c'est de gérer mon temps. Je veux pas mettre. Oui, si faire des vidéos, c'est. Je gagne mon argent avec ça, mais je gagne pas mon argent avec ça. Donc, faut que ça soit priorité, mais c'est. C'est pas à 100% parce que je fais pas une cent avec. Puis, ce qui est bizarre, c'est que maintenant, depuis plusieurs jours, quelques jours, que la page de Facebook, Take Back Your Life, j'ai plusieurs personnes qui rentrent dans le coup. Il faut que je les laisse rentrer, puis il faut que je les salue. Avant, l'année passée, ou même il y a quelques semaines, un mois, c'est moi qui cherchais les gens, je les invite. Là, c'est comme il y en a quelques-uns par jour qui rentrent sans, qui demandent à faire rentrer sans moi que de faire la sollicitation. Mais dernièrement, depuis quelques jours, j'ai 15, j'ai 20 par jour. C'est comme. Puis j'écris à la main pour les bienvenus. On est presque rendu à 1000. C'est 940 à peu près, dernièrement. C'est ça, c'est juste. Bien gérer tout ça et à un moment donné faire de l'argent. Tu sais, pour le Take Back Your Life,
Je vais avoir des affiliate links pour des livres de santé mentale. Si le monde peut les acheter. C'est pas moi qui les livre, mais je vais avoir les links, les liens affiliate. Donc ça va aider à subventionner le montant, la groupe. Tu sais. C'est ça. J'ai. Je suis pas anxieux de ça. Mon anxiété a baissé. C'est juste que je dors tard, je me lève avec les yeux poqués tout le temps. Avec les vidéos, tu sais, je vais aborder la vidéo aujourd'hui avec du montage, mais il faut que je l'enregistre les autres parties. J'ai déjà planifié la vidéo, j'ai déjà. Parce que quand ça arrive, la pulsion, faut que je travaille dessus. J'ai fait ça avant de dormir hier ou un matin. J'avais fait des enregistrements, des clips. D'où je prends l'information. J'ai fait ça sur mon iPhone. Faut juste enregistrer. Avec l'iPhone, on peut enregistrer des autres vidéos. De quelqu'un d'autre, je veux dire. Enregistrer l'écran. Mais il y avait comme 3 ou 4 vidéos qu'il fallait que j'écoute et enregistre. Mais c'est pas juste le vidéo complet, juste les parties. Donc il faut écouter toute la vidéo. Tu sais. Puis avoir un plan déjà de comment que je vais mettre ça ensemble un matin. Donc, c'est ça. Hier, je n'ai pas beaucoup fait pour mon entraînement. J'ai fait un exercice. J'étais trop fatigué de faire de rien après. Donc, j'ai rien fait hier. Donc, on va voir si ça va aller mieux aujourd'hui. Je sais pas. J'ai voulu aller à un magasin qui est plus loin. Tu sais, quand j'étais supposé rencontrer quelqu'un, puis là, c'est rendu qu'il a pas répondu, tout ça. J'ai voulu passer au magasin qui est proche de où est-ce qu'on était supposé de se rencontrer. Puis finalement, je suis pas allé, mais je veux aller. Est-ce que je vais aller aujourd'hui? Et faire un entraînement, et faire ça, et faire ça. Vous voyez comment mon cerveau fonctionne à chaque jour? C'est pas priorité, mais. C'est sûr, aller à un magasin, je le fais soit parce que j'ai vraiment besoin de quelque chose, c'est pas rendu là encore, mais je fais du stockage, ça fait du bien, de préparer pour que quand je l'ai besoin, d'avance, ou je veux couper ma journée parce que là, je suis tanné d'être chez moi. Pas rendu là encore non plus. Donc, c'est ça les décisions que je fais tous les matins. Vous me surveillez
quand je fais mes, je passe mes décisions, quand je suis en train de me réveiller. Y a rien d'automatique. Quand je suis allé au gym un matin, c'était comme plus automatique. Je faisais rien avant que je sortais de la maison rendu au gym. Là, c'est comme je planifie plus. En me réveillant. Non incluant la le nettoyage de ma place, tu sais, le plancher, j'ai tout tassé les choses. Donc c'est pour laver le plancher, au moins une petite portion. Toutes ces affaires-là que je veux faire. Le but, c'est de ne pas avoir de l'anxiété. Il y a des journées où je pète le feu, il y a des journées où je ne pète pas le feu. Comme hier. Mais je me réveille toujours de la même manière. Et je fais ma méditation qui est là. C'est-à-dire, je me popone un petit peu. Au popone. Je parle aux caméras. Je prends ma pre-workout. J'ai déjà commencé ma journée parce que je fais mon Instagram, le Facebook. Pas 100%, mais tu sais, j'ai plusieurs pages sur Instagram maintenant. Le nouveau que je fais, ce qui était la chose que je parlais, que je veux pas parler, ça va bien. C'est pas quelque chose si sévère encore, mais c'est ça, je parle pas de ça. Je viens de réaliser, j'ai pas mis de l'huile dans les cheveux. Oh, on va laisser faire. J'ai manqué une étape dans les cheveux, mais. En fin de compte, je vais le faire. Sinon, les cheveux vont durcir. Ils vont durcir quand même, là, mais. Ouais, quand on a des compulsions, puis s'il y a quelque chose qui manquait, on capote. C'est la routine, rien de nouveau. Faut que je deal aussi avec. Il y a des factures que là. Tu sais, mes business là, je néglige ça. J'ai pas payé mon hydro depuis plusieurs mois non plus. Toutes ces affaires-là. Les petits détails. Mais au moins pour l'instant, j'ai rien à faire avec Fiverr.
Je peux concentrer sur les autres 100 millions de choses que je veux faire.